Donc, c'est par cet indice que nous avons pu reconstituer cette œuvre. Et je pense que les chants d'oiseaux qui la constituent sont vraiment de toute première importance, car elles reflètent vraiment le tournant de la vie de Messiaen à l'époque 1960. Nous allons donc vous faire entendre le chant du coucou-jet et Roger Muraro va vous faire la démonstration de ce que Messiaen en a fait au piano. Muraro-san, その鳥の鳴き声を演奏していただきます。Maintenant, l'alouette Lulu qui chante également dans les oiseaux de l'Hérault. 次が森ひばり。